contente de faire cette vidéo parce que j'ai économisé 20 euros le mois dernier. Comme je vous avais dit, j'ai fait mes courses deux fois et j'ai économisé 20 euros. Si vous voulez savoir, vous avez juste à regarder la vidéo. Comme ça, je vais vous montrer comment faire pour économiser 20 euros. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Stella Elta Life. Si c'est voilà. Pas aujourd'hui, on va faire une vidéo retour des courses. Comme vous savez, c'est les vacances. J'avais conseillé le mois dernier qui est faites vos courses deux fois au moins. Ça vous éviterait de faire plusieurs tours au magasin, tout ça. Donc, moi je fais deux fois mes courses. J'avais fait deux fois le mois dernier. Franchement, je relevais les défis. Je fais deux fois les courses et je vis que je économiser pas grand chose, mais j'ai économisé 20 euros par rapport à des courses que je fais. Et c'est tout que quand c'est les vacances, ça consomme plus. Donc j'économisais 20 euros, c'est énorme, c'est beaucoup pendant les vacances. Ça veut dire si j'avais fait des grosses courses, ça allait dépasser parce qu'on est pendant la période des vacances. Donc là, je fais Aldi et Auchan. Donc comme j'étais à côté, je dis, ben, je vais faire Auchan. Donc, je fais Aldi et Auchan. Donc, je vais vous montrer tout ce que je prie à Aldi. C'est vraiment intéressant. À Auchan, ils ont aussi mis des promotions du lait, comme le mois dernier, j'avais pris. J'étais partie vraiment plus pour du lait. Et bien, comme toujours, quand on fait des magasins, on craque, on trouve toujours des trucs à acheter. C'est pour ça que je vous dis, quand vous revenez de vos courses, il faut toujours mettre tout ce qui est surgelé, vous mettez au frais. Ça vous évite de casser la chaîne de conservation. Il faut toujours conserver. Donc, comme je fais le retour de course, je n'ai pas le choix. Je vais faire sortir mes surgelés pour vous montrer tout ce que je prie. D'ailleurs, c'est des trucs que je prends d'habitude. Peut-être que je rajoute dedans, ça change par rapport au mois, mais c'est toujours un peu pareil. Donc, je vais vous montrer tout ce que je prie à Auchan, le surgelé que je prie à Auchan, je vais vous montrer à Aldi, tout ça, je vais vous montrer ça. Voilà, en surgelé, j'ai pris pas mal de choses parce qu'ils avaient tout fini, donc je suis vraiment contente, ils avaient vraiment bien mangé. Là, j'ai pris les nuggets comme ça, au poulet, à Aldi. Voilà, j'en ai pris deux, comme ça. J'ai pris les fricandelles comme ça. Voilà, j'en ai pris un paquet parce qu'il y en a encore. J'ai pris les cordons bleus comme ça. Les cordons bleus, il y en a deux paquets comme ça. C'est quatre cordons bleus dans chaque paquet. Voilà. J'ai pris des glaces comme ça. Comme je vous avais dit la fois passée, c'est hyper bon. Glace Aldi là, c'est hyper bon, n'hésitez pas. Voilà, c'est comme ça. J'en ai pris deux. J'ai pris le vert Saint-Hubert, j'aime bien. Voilà, j'en ai pris un. Ça, c'est Aldi. Hein. Ça, c'est le champ. J'ai pris les frites allemandes comme ça. Aldi aussi, c'est hyper bon. C'est trop bon la frite. Comme je t'ai dit, les cordons bleus, j'avais pris deux. Voilà. Et j'ai pris des yaourts à Auchan. Je vais loter des yaourts comme ça. J'en ai pris deux. J'ai pris aussi Donald. Là, la fois passée, ils avaient tellement bien mangé ça. J'en ai pris encore. Là, il y en a 12 en intérieur. C'est 4 caramels. Ouais, il y en a au chocolat, il y en a à vanille. Oui, c'est ça. Donc, mes enfants, ils aiment bien. J'ai pris aussi Haïti Mel. Voilà. Il y a comme ça, c'est hyper bon aussi, Haïti. J'en ai pris 8. C'est 8. Il y en a 8. Voilà, au champ. Désolée, j'ai pris les salamis comme ça aussi. J'ai pris des jambons sans croûte comme ça. J'en ai pris trois.
parce que c'était en promotion, ils ont dû acheter les 100 verres, ça a pris 3, donc c'est 100 coûte. J'ai pris des légumes parisiennes, comme ça, j'aime bien, les enfants aussi aiment bien. J'ai pris les fromages, pizza là, c'est hyper bon pizza. C'est tellement moelleux, franchement c'est hyper bon. Surtout pas fromage, c'est vraiment bon, ils aiment bien. Donc j'ai pris un paquet. Là j'ai pris 4 au fromage parce que la fois passée j'avais pris au jambon aussi. Il me reste 2, du coup j'ai rajouté un paquet, ça me fait 5 pizzas. Donc je vais gérer ça, jusqu'à ce que ça va finir. Voilà tout ce qui est surgelé. Je vais finir à vous montrer. Je vais ranger ensuite. Je vous prends juste après. J'ai pris aussi les baguettes comme ça. Saint-Jacques à Auchan. Ça, j'ai pris à Auchan. J'ai pris aussi les pains pour hamburger comme ça. Jean-Jacques, là, c'est hyper. C'est trop bon. Ils ont pris comme ils avaient vraiment aimé. C'est pour ça que j'ai encore écrit. Donc j'ai pris 2 paquets d'hamburger comme ça, j'ai fait pour faire l'hamburger. Voilà. J'en ai pris 2. Au champ, j'ai encore pris quoi? Voilà, j'ai pris des thons comme ça. Au champ toujours, j'ai pris des thons. J'ai pris aussi des cerises. J'ai pris des croquettes comme ça aussi. C'est trop bon les croquettes. Moi, j'aime. Voilà, j'ai pris des gaufres de Liège comme ça à Aldi. J'ai pris des gaufres de Liège comme ça. J'ai pris mes gaufres, mais des fois. J'ai pris aussi une boîte d'haricots verts. Voilà, comme les guillemets, j'ai pris une boîte d'haricots verts. Ça, j'avais pris ça au champ. J'ai pris 2 gaufres moelleuses comme ça à Aldi. C'est trop, trop bon. Ça aussi, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Chez Aldi, c'est hyper bon. Les enfants, ils aiment vraiment ça. N'hésitez pas, si vous passez à 10, de prendre, c'est vraiment bon. J'avais déjà mangé par Harris. Voilà, j'ai pris Harris pour les sandwichs comme ça. Ça, j'ai pris à Auchan. J'ai pris des pétales comme ça. Pour les soirées pyjama, quand on regarde la télé avec les enfants, on aime bien manger. J'ai pris aussi ça au fromage. C'est croustillant au fromage. Dries au fromage. Voilà. J'ai pris des brioches comme ça. Il y en a 10 à l'intérieur. Les brioches, c'est trop, trop bon. Je n'ai jamais acheté ça, je ne sais pas aujourd'hui, j'ai dit pourquoi pas, on va essayer. C'est des galettes royales. Je pense que c'est comme des galettes qu'on mange, vous voyez, des galettes qu'on met. J'espère que ça sera pareil. J'ai pris ça. J'ai pris des chips nature, comme ça. J'ai pris 2 paquets, il y en a 6 dans chaque paquet, comme ça, il y en a 6. J'ai pris des biscuits disco comme ça. Comme vous savez, moi je vais prendre plusieurs variétés. Donc quand vous faites de la variété, les enfants ils ont plusieurs choix à faire. C'est vraiment aussi bien. On ne peut pas aussi obliger aux enfants de manger qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on a acheté, les mêmes choses. Des fois il faut varier de temps en temps, c'est bien aussi. Même pour nous les adultes, hein. On ne peut pas vous laisser manger chaque jour les mêmes choses, donc vous serez fatigués.
Voilà, il faut varier aussi. Aujourd'hui, si c'est que j'avais pris ça, demain je vais prendre ça. C'est aussi bien. Voilà, j'ai pris les granola comme ça. J'en ai pris deux. J'ai pris deux granola comme ça. J'ai pris les BN, mini BN à la fraise. Comme le mois dernier, j'avais pris, c'était en promotion, il y en a encore, mais à la fraise, c'était fini. J'ai rajouté à la fraise. J'ai pris des mini brownies comme ça, à Aldi toujours. Hein. J'ai pris les mini brownies. Voilà. J'ai pris aussi les nappes au chocolat comme ça, les donettes, comme ça. C'est déjà ouvert parce qu'ils ont déjà commencé. Il y en a 24, je crois, c'est écrit. Voilà, comme ça, il y en a 24. Donc, j'ai pris ça aussi à 10. C'est en promotion parce que c'est écrit pour maxi format. Donc voilà, maxi format. Il y en a 24 en intérieur, c'est vraiment intéressant aussi. J'ai pris des pancakes comme ça. Des fois, je fais maison, des fois on a la flemme, s'ils cherchent, ils ont juste à prendre. Donc j'ai pris des pancakes comme ça. À Auchan. J'ai pris du lait comme ça, format familial. Donc c'était en promotion aussi. Je crois pour les DG, j'ai économisé 5 euros, je pense. 4 à 5 euros que j'ai économisé pour les départ parce que ça passait en promotion. Donc voilà. Voilà, comme je dis toujours, faites vos courses des fois par mois, c'est intéressant. Avant de faire les courses, regardez toujours ce que vous avez à la maison, ça vous éviterait de faire beaucoup de courses deux fois par mois. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. J'ai économisé 20 euros deux fois par mois. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. J'ai économisé 20 euros le mois dernier, sachant que c'est les vacances, mais ça m'a coûté moins que d'habitude. Donc si j'avais fait des courses, je pars, j'avais vraiment beaucoup dépensé. À force de faire des tours au magasin, on est tenté de dépenser, on est tenté de se rappeler qu'est-ce qu'on a à la maison, qu'est-ce qu'on n'a pas. C'est mieux, avant d'aller faire vos courses, vous regardez d'abord tout ce que vous avez à la maison. S'il faut faire des listes, faites vos listes. Moi, des fois, je fais des listes, mais il arrive des moments que je ne fais pas des listes. Je regarde juste, je sais qu'il y a ça, il y a ça, il n'y a pas ça. Parce que j'ai l'habitude de faire des courses. Quand je regarde, je sais qu'il n'y a pas ça. Ça me facilite. Au moins, j'étais un coup d'œil d'abord. Pour voir qu'est-ce que vous allez acheter. Et ça vous éviterait d'acheter n'importe quoi. Et ça vous éviterait que vous jetez des aliments à la poubelle pendant qu'il y a plein de monde qui cherche à manger et vous vous gaspillez la nourriture. C'est pas bien. Voilà. Cette vidéo touche à la fin. Ici, c'est une chaîne de motivation. Je parle d'organisation. Je parle de mes routines. Je parle de décoration. Je parle des ménages. Je parle de vlog, la cuisine. Dans cette chaîne, vous trouverez plein de sujets intéressants. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas la prière. Je vous aime énormément. Bye bye!